Abandonné depuis 50 ans, jour après jour, le bâtiment abritant l'école conventionnée catholique Epensanda Kizulu du Sacre-Cœur de Kinzamvouété, situé dans le territoire de Sekebanza, commune de Kinzamvouété dans le Congo central, n'a plus la même image d'horreur. Cette école construite en 1971, en briques cuites avec argile, n'a jamais subi une quelconque réhabilitation depuis l'entière histoire de son existence. Pour sa réhabilitation, il a fallu démolir 70% de murs construits en argile pour les renforcer avec des structures en matériaux durables. L'espoir s'était presque envolé pour le comité de gestion de voir ce bâtiment, qui servait également comme auditoire pour l'ISP, disparaître définitivement. Il fallait alors que l'honorable Moïse Katumbi, loin de son Katanga natal, intervienne pour réhabiliter les Pensanza Kizulu, ce patrimoine national. Non seulement réhabiliter cette œuvre, mais aussi et surtout l'équiper en matériaux didactiques au grand complet. Les élèves et étudiants qui avaient pour place assise des briques et autres planches vont désormais étudier confortablement sur des bancs. Le bureau du commissariat de la police nationale congolaise, se trouvant dans la même enceinte, a également bénéficié d'une réhabilitation rapide et digne. La cérémonie de remise des clés a eu lieu le vendredi 21 octobre 2022 en présence des autorités politico-administratives, religieuses ainsi que les parents d'élèves. Papa social, notre autorité morale. Votre frère Moïse Katumbi, qui a les soucis des Congolais, il nous avait dit, il dit, Maître Mbaki, je dois faire quelque chose dans votre province. Va dans votre province, choisis n'importe quel territoire pour que nous puissions faire une œuvre sociale, mais ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera qu'un premier pas, comme on dit. Les responsables de l'épine Sansa Kizulu viennent finalement de rencontrer la grandeur d'âme de ce véritable homme du social. En tout cas, que Dieu puisse nous garder, nous protéger, pour avoir encore autre chose que ça. Je vous remercie. On nous a doté de l'ordinateur. Vraiment, nous sommes très contents. Cet acte a surpris totalement le doyen de cette école qui a trouvé les mots qu'il faut à l'endroit du président, Moïse Katumbi. L'acte de Moïse Katumbi nous intéresse tous. Vraiment, que Dieu soit avec lui. Qu'il fasse tout pour qu'il ait une promotion plus tard. Merci, grand merci pour tout ce qu'il a fait. À la place des mots, l'honorable Moïse Katumbi laisse généralement parler les œuvres et pas n'importe lesquelles. Moïse Katumbi, Aoumela, Olingé Mingi.